Quand je dis ça, le combat se lance. Eh bien, c'est Stanwaget qui a l'initiative avec le Steamer Feu, Mega Flip qui est Terre, le Zobal Feu également, Inripsa Feu, Yop Terre. Yop O, pardon. Hein. Non, c'est un Yop Terre, c'est un Yop Terre. Non, c'est O avec le bouclier. Ah non, Terre, oui, pardon. Non, c'est un Yop Terre, oui. C'est un chevelu. Oui, j'ai pas compté, je crois que c'était un fond marin plus bouclier, mais j'ai mal compté les raies O. Effectivement, et le Sacrieur est O. Ouais. Ouais. Lui, c'est ça. Alma joue tout le temps son Sacrieur. Enfin, je les ai tout le temps vu jouer Sacrieur O. Ouais, bah, c'est donc, intéressant, Sacrieur O quand même. La Cavotte. Est-ce que tu les vois jouer puissance? Ils ont des parties pour faire potentiellement, on pourrait voir une stratégie classique de coop, hein. De coop avec un Yop puissance qui fait un gros tour 2. Après, ça voudrait dire que tu joues sans la vertu contre de l'insoignable, ouais. Etc. Ça peut être chaud quand même. Ouais. C'est compliqué. Qui pourrait être la cible de coop? Alors, niveau résistance en face, le steamer serait la cible parfaite de la coop. Après, le problème aussi, c'est que le steamer peut briser avant la coop. Et ça compliquerait beaucoup les choses. Oui, clairement, c'est un Yop dégâts mêlés en tout cas. On le voit avec son cadran haut. Donc, c'est vrai que s'il y a une zone brisame qui est prise, ce serait probable, et ouais, ça a duré à néant. Les Zobal a mis place, pour l'instant, toutes les team boostent tranquillement le rebelle aussi. Et Yop qui va faire un truc classique de Yop Terre maintenant, tu cherches ton accumulation, la maîtrise, la fureur. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une puissance ou pas? Il n'y a pas eu de puissance, donc ok, pas eu de puissance alors qu'il y avait PA pour la lancer à la place de la famille, donc ça se joue vertu, hein, a priori. Ouais, sûrement. Non, on l'aurait vu. Lika Flip, donc qui est Terre, hein. Il va certainement pas faire un très agressif, je suppose. En retrait, est-ce qu'on va voir cette Brizlam? C'est probable. Je pense. Ce serait étrange de pas la faire, vraiment. Il y a Lika Flip 0. Ouais. Ah, il va être dangereux aussi, un Nekater, ça fait mal. Hein. Ouais. Et la zone est bien laissée pour la Brizlam, donc... arriver avec Gardien. Il peut potentiellement avec un mot secret la casser la zone. Mais je sais pas s'il en a envie. Ça le fait beaucoup s'exposer. Ah eh bien oui totalement. Bon après est-ce que ça l'empêche totalement, je sais pas, mais c'est bien vu. Ça la complexifie quand même. Ouais. Ça la complexifie et sachant que ce steamer doit évoluer en plus et donner des PA, il pourra pas après, tout faire. Après on pourrait penser à ne pas mettre la brise sur le Zobal. Qui de toute façon aussi. Joue juste avant l'IOP, donc pourrait se barrer loin. Aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait. Ouais, voilà. La double brise lame, du coup, le Zobal ne l'a pas. Est-ce que ça a quand même cop le Zobal? Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont cop le Steam, ils ne feront pas hyper fort, mais ça mettra quand même suffisamment de pression. Cop le Zobal, c'est juste donner un free rock au Zobal sur le Yop, et après le Zobal partirait. Ça serait pas si intéressant que ça, je pense. Ouais. Non, je suis assez d'accord pour moi, il faut pas la lancer effectivement cette transpo. Et non, la prise lame qui est vraiment extrêmement embêtante, hein, effectivement. Et ça transpo les gars flip, donc on va quand même faire des dégâts à distance. Alors, ils vont tenter de tuer la gardienne rapidement. Ça oui. Jamais, si. Ça passe jamais, et le Zobal va mettre une torto dessus, je suppose. Ouais, je pense aussi. Après, la tortue sur les gardiens, mais pas tant que ça non plus. Non, c'est vrai, ça ferait une tortue à c'est quoi, 300, je crois. Ouais. 120, si je ça dépend ça crit ou pas, mais. Ouais, 100, ouais ça crit donc 160. Est-ce qu'on va chercher à full protéger cette gardienne ou par exemple, pour mettre un scudo s'il joue avec. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Ça peut être pas mal d'aller poser son ébène quand même. Ouais, mettre son ébène, bien sûr. Qui va être la focus ? Le Yop. Okay. Le Yop, ok. Ouais, Pantera en plus. Hein. Pantera. Ouais. Pantera, et en plus, il va se prendre un gros tour de l'éca flip derrière. Hein. Et là, il a que 28% terre en plus. Pas énorme. Et ça joue puissance. Okay, je ne voulais pas l'avoir lancé précédemment. Bah, après, comme il y a un Zobal qui peut débuff. Gardien. Quel brise lame. Ouais. Ok, donc pas de précis. Et pas d'érosion par contre, du coup. Hein. Une intimidation pour fuir, okay. Du coup. Les Caflips qui est taclé hein, par les Nirimsa.
Ouais, mais est-ce que les cafés passeraient pas sur les nids? C'est impossible du tout. Voilà, totalement, c'est ce qu'il fait. Il a 12 PA, il va faire un énorme tour sur les nids Ripsa. Il a mis les héros en plus. Ouais, esprit double. Ouais, double destin. Double destin, et ça joue votre chat. Bah, et ouais, les cas va se repartir très loin. Ouais. Et vu qu'il n'y a pas eu d'érosion de mise, ben, ça sert un peu à rien de taper hein, contre The Ball Steamer. Tu comprends jamais quelqu'un sans érosion. Ouais, après, là, par contre, le Yop, il a la puissance. Il va avoir sa fureur double chargée. Ouais, mais il est très loin. Ouais, mais le sacré avec des condensations, tu comme ça, peut potentiellement ramener les cas quand même. Ouais, à voir. Avant, en plus, ouais, il y a double fureur ce tour-ci. Enfin, double fureur, fureur double charge, quoi, plutôt. Le steamer qui va certainement mettre son ébène. Ouais, je pense qu'il va. Il envoie une harpe. Ok. Un secourisme, mais a priori pas. Ah, si, oui, l'ébène sur les nids, ça. Bien sûr, oui, c'est. Je me suis mis en tête qu'il allait sur le yop, mais non. C'est les nids maintenant. Est-ce que c'est pas le moment de lâcher un sacrifice pour mettre ton ennemi un peu safe? Ça pourrait être pas mal. Alors le Zobal, juste après, pourrait déjà debuff un tour. Mais Ouais, mais ça force du moins coup aussi les buffs. Ça force à debuff l'héros, etc. Ouais, ouais. Ah non, ce tour-là, au moins, ça fait un tour de. L'ennemi, c'est déjà debuff l'héros, donc ça c'est pas si grave. Alors, une projection. Qu'est-ce que ça va chercher à faire? Est-ce qu'on va attirer les cafés? Il peut ramener les cas, ce que j'ai dit, tu vois. Ouais, et le sacrifice et condensation, donc un peu exactement ce que t'avais call, bien vu. Encore, ouais, 4 PA à la libération en plus, ouais, il va être totalement à disposition de ce yop, hein. Il va prendre un gros tour là. Il va prendre un très gros tour. Un énorme tour. The Ball peut absolument rien faire. Parce que vu que ta puissance sur 2 tours, il peut pas la debuff. En plus, l'épée qui ramène un petit peu. Qu'est-ce que tu fais à la place du The Ball? Bah une torpo déjà, c'est pas trop mal. Ouais. Faudra un débat sur les nids. Ouais, il le faudrait effectivement, hein. Là en plus il faut enlever le sacrifice. Parce que là s'il le fait pas ce tour là, le prochain tour je pense que l'Inripsa sera potentiellement hors de portée du débat. Faut savoir que la team bleue a déjà utilisé la prêve et le sacrifice. Donc il leur reste pas, ils ont pas d'appui, ils ont pas la... comment ça s'appelle? Et ils ont pas la vertu. La vertu, donc, ouais. Donc effectivement ouais, ça va être un Pantera. Non, il l'a déjà fait, non? Il l'a déjà fait. Ah oui, ça dure 2 tours. Ouais. Ça dure 2 tours, bien sûr. Donc, pas besoin. Donc, ça commence un focus yop. Et avec l'Eka qui va passer derrière, le yop va quand même être en très mauvaise posture. Hein. Ouais. Et puis, il n'y a plus rien du tout. 13 PA. À combien de vies va se finir cet Eka Flip? Il y a 1500 de shield, même plus au début de tour. Ouf. Oh, y'a il se coup de marteau. Fureur. La fureur et l'inti certainement à 1100 la fureur. Il y a deux ébènes sur les caflips. Ouais, deux ébènes, il va pouvoir se barrer un petit peu. Aïe aïe aïe, les caflips qui va passer à 2000 de vie à peu près. C'est compliqué. Ah, des deux côtés, ça part très fort. Et s'il continue sur le yop, il est taclé, mais il a l'entrechat. Il a l'entrechat donc ça va. Rugissement, on a bien vu, et il va défoncer ce yop. Il va faire une belle réponse. Est-ce qu'il est rod? Non, je pense pas. Ouais. Ouais. La cingale, esprit destin, ça va faire encore. Destin, il va être environ 1500 normalement. Ouf. Ouais. Oh yaï, oh yaï yaï. Ouais, je le vois avec plus de PA. Ok, je le voyais pas avec plus de PA. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ah, il y a plus de 3000 de vie. Il y a plus de sacrifice, l'Enripsa peut le soigner. Le pouvoir double sélectif. Bah non. Ouais, ça, un sélectif et un déroutant, je suppose. Non, encore 8 PA d'ailleurs. Trop de. Est-ce qu'il y a besoin de déroutant? Non, même pas besoin de déroutant, hein. Et... ça fait. Ouais. Et ça continue de mettre la pression sur les K-flips. Enfin, 1400 de vie, en plus, bon placement, hein, parce que le steamer ne pourra a priori pas le secourisme. Il peut aller à l'assistance, là. L'assistance, ouais. Ouais. Donc ça devrait aller. Il peut. Ça ouais. Mettrait ici les K-flips. Ça devrait aller. Ah, il doit quand même. C'est pas si facile que ça de la faire, hein. Il pouvait spi sur l'arpo, mais. Je crois... peut-être qu'il va faire autre chose. Ouais, peut-être l'aspi en diagonale, il pouvait le faire, ouais. Et l'assistant secourisme, mais du coup, il passe son tour à ça, donc ok, c'est plus nécessaire, mais ça coûte cher. Le sacré qui doit continuer derrière, mais attention quand même à ce fiop.
Le problème là, c'est que ouais, les gars vont sûrement se prendre une fougue et qu'après il reste plus grand chose. Parce que même Lenny est. Du coup, le sacrifice n'a pas été debuff hein, d'ailleurs, donc Lenny est toujours. Oui, mais là c'est le Zobal qui joue, donc il peut le debuff en temps. Le Zobal pourra le faire sur facilement, une... ouais. Mais je pense, qu'ils vont passer sur... je pense qu'ils iront sur le Yab de toute façon. On verra. Est-ce qu'on a un transfert de vie pour être intéressant quand même? Ouais, sûrement. Ça n'a pas l'air prévu. Les cas. Ça n'a pas l'air prévu. Il veut ramener son EK vers. Ouais, encore. Ouais, non, mais c'est bien joué quand même parce que ouais, faut le ramener vers le Yop. Hein. Bon, après, le Yop, dans tous les cas, il est quand même trop loin pour l'avoir directement. Et les cas qui se retrouvent à. Ouais, mais à 2800 de vie max. T'as pas peur que ton Sobal éclate quelqu'un? Je sais pas. Le Yop, il a un seul Eben sur la tête pour le moment. Ouais, ah, bien fait, vu quand même l'épée qui tacle. Le Sobal remettra un Eben. Ok, ouais, retour du plastron, okay. Du coup ça joue safe. Ok, ok, c'est bien joué. Après, l'héros a pas été des deux. Alors, le Yop qui est un peu gêné. Je pense qu'il faudrait qu'il détacle. Ouais, un PA sans gratuit. Full bug d'affit, PA. Moi, je voyais qu'il pouvait détacler, sauf que là, du coup, ça leur donne un PA, c'est dommage, peut-être. Bon, après, il va pas, okay, il va pas faire grand chose. Ça recharge une Vita. Lancer la fureur, ça serait pas mal. Mais est-ce que les Kaflip tuent pas le Yop là? Mm-hmm. Je pense que si, hein. Du coup, ouais, on n'a pas vu d'accumulation au final encore. Hein. Non, non, bah, c'est le problème, c'est que quand tu, si tu veux mettre ton cac, etc., c'est vite compliqué, ouais, de mettre tes accumulations. Bien sûr, en plus, il a dû éroder donc. Putain, je vois. Est-ce qu'il a encore boosté les cas? Ah non, il a plus les bonus de la roue, etc. Ouais, il a une zone quand même, un enregistrement. Ouais. Et avec 11 PA, c'est pas le plus intéressant, je pense. Hein. Érosion, peut-être quand même. Il a pas érodé l'Iop. Non, l'Iop est pas érodé, donc il peut se faire vachement remonter quand même. Ouais, donc esprit double. Double destin. Mmh. Et encore 1200 de vie. Ça soigne pas tant que ça. Bon. On le stimule. Là, ça a sorti du galvanisant par contre. Ouais. Ouais, la solidarité n'est pas démentielle, on va dire. Ouais, zone sélective qui est quand même sympa, qui remet en plus les bennes sur les K-flips. Et ouais, faut mettre encore plus de soins sur le Yop quand même là. Un déroutant. Et puis je pense qu'il va bloquer la ligne de vue sur les K-Yop. En punissant genre là, un truc comme ça. Ça pourrait être probable. On verra l'épée encore, ouais. C'est pas trop mal, j'ai l'impression. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Il peut quand même aller s'ouvrir, c'est pas sans trop de problème. Mais ça coûterait plus de PA avec une marée. Ouais. Ah, la marée, le secourisme. Ok, non, ici. Donc il tape pas du tout. Il blindage, ouais, mais du coup, ouais, il est totalement défensif. Ouais, mais c'est cas, ouais, mais. Pour l'instant, ils sont bien, hein. Ils ont toujours pu utiliser la fougue. Ah, ça va faire une transpo. Et ouais, il y a le retour de la COP. Donc le Zobal va être très très lent. Ouais, il joue pas rush, hein. On l'a vu faire des. Faire des scudos déjà, donc pas de rush, et effectivement, plus de mal il à revenir. Clair, il va pouvoir mettre les dents sur les K-flips en plus. Ah non, ok, transfert de vie. Non, transfert et condensation, ouais, donc. Ouais, c'était peut-être. C'est intéressant bien de faire, mettre les bennes, je sais pas. Et je me demande si tu fais pas kill là, sto. Y'a 4 Eben sur les K-flips. 4 et le Yop et un Eben 5, donc il y en a un. Sauf qu'il y a, non, y a un lui qui part, donc ça en fera 5 quand même. Ah oui, ça. Mais il est mort, hein, je pense. Hein. Il a l'accumulation chargée, il a la précipitation dispo. 4000 de vie en gros, 4400. Il y a quand même 4400 à faire. Hein. Ah, Pantera qui revient. Est-ce que ça passe? Il y a plus la puissance. Je pense pas. Non, en plus, pas de crit. Ils vont le tenter. 11 PA, c'est quoi? C'est Fureur, un petit double accumulation. Ouais, sûrement. Il choisit Tyro, c'est un choix un peu bizarre. Ouais, osé, sachant que du coup ça va pas passer. C'est surtout vu qu'il y avait les 2000 de shield, ouais. Il a tapé dans le vent en fait. Alors qu'il aurait tapé quand même après la révolution. Ça va être à très très peu de choses près quand même avec les Eben. Hein. Ouais, 563 points de vie, bon, ça va encore. C'est très Eben d'ailleurs, j'ai mal compté. On va avoir un qui a de plus. C'est dommage de pas avoir érodé, je pense. Il a vraiment 4 passes, il a fait quasiment tout. La moitié de son tour est parti dans le vent.
Ouais, c'est vrai qu'à la place double accumulation, double pression, aura peut-être été pas mal. Du coup, ça va répondre encore sur le Yop. Et l'Enirepsa aussi, hein, on l'a à noter. Hein, il est forcément érodé au début. Faut noter que si jamais, bon, c'est pas encore le cas, mais le kill de l'EK déjà donne une chance au Mei de passer en plus. Dans le cas où Sten aurait perdu le match. Oui. Est-ce que Lenny finit oui. Je sais pas. Je pense pas, il y a la chance. Non, il y a la chance, pardon, j'ai pas vu la chance, ouais. Oui, j'ai pas vu la chance. Mais elle est logique, hein, je l'attendais, mais je l'ai pas vu en fait lancer. Là, le, Yop, le fait de pas avoir Hero Yop, ça leur coûte quand ça leur coûtait très cher. Ouais. Ouais, effectivement, mais du côté, du coup, ça va pas éroder les cafés sur le dernier tour, donc c'est un peu dommage aussi, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'il finit faire le spinner bien, bien gêné. Ouais. La gardienne du coup qui est relancée. Ouais, tout un tour hein, avec le retour de chance, ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais le truc c'est que ça fait pas mal du cas de la survivre un tour encore. Ouais. Le sacrifice revient. Il le lance et si oui, sur qui? Je pense pas qu'il y ait besoin de ce tour. Pour l'instant, ils ont. Tous leurs persos qui sont quand même plutôt bien. Ouais. Ah, plutôt bien, ouais, avec 3000 de vie sur les Niripsa surtout. Yop, on peut relancer une Vita. Oui, mais il n'y a plus d'Eben sur les Ni, ça va. Bon, il continue en tout cas sur le. Sur les Kaflip, il a remis un Eben d'ailleurs dessus. Ah, il va encore reculer le Zobal. Le Sacré qui fait un énorme travail de placement. Ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt du Sacré encore aujourd'hui, hein, qui reste extrêmement fort avec son placement. Le sacrifice aussi qui était très important, hein, qui a permis de. Il n'arrive pas d'être safe totalement. Donc Sacri est vraiment pas du tout enterré. C'est très, très intéressant. Le Zobal qui aura le plastron au prochain tour, mais ce sera peut-être trop tard. Ouais, sûrement. Ah, remarque. Il y aura tout le tour à tanker sous la chance, mais pas celui du Yop. Donc, ouais, peut-être que ça devrait le faire en tout cas. Je pense qu'il va survivre quand même ce Mega Flip. Il va nous faire le Yop. Oh, il va continuer sur les Kaflip, hein, je pense. On va peut-être relancer la Vita par contre, là quand même, parce que sinon il la perdrait au prochain tour. Avec un debuff, ça peut vite glisser au pire, non? Ouais. Là, ils sont quand même bien partis, donc ça serait bête de perdre sur un. Il a 3000 Vita, sachant qu'il a une Vita. Ouais. Confiance supplémentaire. Ouais, ok, ça me. Mais c'est vraiment pas héros, ça me tilt. Avec tous les shields qu'il a. C'est avec 2 PA, je crois. Aïe aïe aïe, ça fait tellement mal ces poisons. C'est tellement mal. Et là, du coup, les Kaflip va faire un full tour sur le Yop, je suppose. Ouais. Après, les deux poux vont pas tellement proc avec le chaton. Ah, bah, ça tue pas le chaton. Coup. Ouais. Ah, mais il est full terre en fait. Je pensais qu'il était un peu de terre de poux, mais non, j'ai rien dit. Il est vraiment full terre. Bon. Ça va être compliqué pour lui de rejouer quand même cette Ega Flip, mais il a mis une grosse pression sur le Yop. Là, c'est ça, c'est que le Yop là. Le Yop, il a une Vita à 1000 qui peut partir, c'est le Zobal debuff et il va se. Après, le sacré le sacrifice, donc ouais. Ça va. Et il joue dans le Zobal. Ouais, il y a 3 Eben sur le Yop. Donc faudrait. Ouais, non, ça devrait le faire. Le Yop devrait survivre. Le silence qui ne passe. Pas vraiment, ouais, moins 2 sur le steamer, moins 1 sur le Zobal, bon, ça reste toujours ça. C'est toujours ça, le steamer qui doit encore relancer un secourisme, hein, mais qui est taclé à nouveau par cette Inirepsa. Il y a très peu de fuite, hein, le steamer. Ok, aspiration. Le steamer, je vais en faire lancer, donc niveau de fuite, c'est tout de suite un peu plus dur. Ouais. Ah ouais, est-ce que là le sacrifice devrait tomber hein, par contre? Ouais, mais c'est le tour du plastron aussi hein. C'est le tour du plastron. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va refaire un tour de placement? Ça serait pas je pense qu'il va reculer le Zobal sûrement. Ok, il a sacrifié son Yop. Il va plutôt taper hein. Ouais. Pour ça, il s'est attaqué sur le steamer. Je pense qu'il voulait avancer un peu plus les cas. Mais il peut en faire une deuxième. Ok, ça tape. Ça
fait mal, Malka, le Sinner aussi qui est un petit peu descendu du coup. Il y a le placement qui revient, est-ce que le Yop va pouvoir faire le kill? Il a la fureur totalement boostée, il a plus l'accumulation par contre, elle va partir. Il aura 13 PA je pense. 13 PA sauf s'il se fait des buffs, mais bon, je pense pas que ça débloque. Ah, sauf si Isobal reste là, mais non, voilà, bien sûr. Ah mais la grimace, non elle va rester sur le sacré. Je pense que ça suffit largement, non? Là, il y a laquelle autour d'avant? Pour moi, les Kaflip ne rejouent pas, hein. Clairement, hein, il a 5 ébène. Il se prend un bon, une barre torture va le one-shot. Hein. Clairement, ouais, il est en retour de chance. Alors là, s'il tente pas de tout. Il y a le retour, il y a le retour puissance en plus, mais je suis pas assez voir ça. Je pense pas que ce soit intéressant sur un seul tour de dégâts. Et voilà déjà les shields qui tombent directement avec le coup de barre torture. Encore derrière, 3 PA et la pression. Fureur et ça suffit. Il y a 5 ébène sur les cas actuellement. Ouais, ça précise quand même. Ils assurent, on va dire le kill. Préfère assurer. Mais voilà, pas du tout besoin. Parce qu'il y a 5 ébènes qui tombent et même pas sans des ébènes du coup. Ok. Too much cette fois-ci. Mais bon, je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir assurer, on va dire. Ou peut-être se rassurer plutôt que assurer là en fait. Ok, là il passe tout de suite sur le steamer. C'est le meilleur choix. Il peut pas se soigner, etc. Et ça évite. Asuki, il a déjà pris des coups, hein. Ouais, et puis ça évite qu'un 2v2 soit gérable. Enfin, ouais. Je sais pas comment ils peuvent kill le Yop, mais bon. Ah, il est encore sous sacrifice, hein, on le rappelle. Ouais. Alors là, il va perdre 1000 de vie à son tour parce qu'il sort de Vita, mais il pourra en relancer sans problème. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir le droit à un tout dernier match décisif. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça voudrait dire que Alma Eterna met 2-0 à Stanway Gate. Ouais. Quand même. Je tiens à dire que. Il y a 3 jours, j'ai dit sur ce stream. Ah oui, oui, oui. Alma Eterna Outsider. Du coup, c'était un peu. Non, on l'a souligné quand t'étais AFK tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. J'ai rappelé que t'avais pronostiqué ça et. Voilà. Que te donner raison, hein. Ils font des très très gros matchs, vraiment. Ouais, ils finissent en 5 wins dans un groupe qui était annoncé comme le groupe de la mort. Bah ouais, clairement. Et puis, non, et puis c'est bien tous ceux qui disent encore aujourd'hui, alors que c'est plus du tout vrai. Que ouais, les Espagnols ont pas de niveau et tout, mais absolument pas en fait, absolument pas, ils ont juste un très très gros niveau, et là ça le prouve totalement. C'était vrai. Le match n'est pas fini, mais bon. Très bien engagé en tout cas. Très très bien engagé. Le Zobal qui a son ébène à replacer, mais. Sur qui va passer les nerfs, ça peut-être. Je sais pas, est-ce qu'il veut pas ici? Oh, c'est dommage. Ouais, ok, il se fout, donc du coup c'est pour aller sur le Yop, sachant qu'il faut le debuff. Ouais, voilà, c'est fait. Le Yop qui a 3 ébènes. Non, mais ouais, ça passera jamais. Il a le retour. Oh ça passe pas. C'est si, sûr. Il est mort. Ça, ah, sauf si. Attends, mais y a pas un ébène de l'écart. Ah, oh, si, mais s'il y a un ébène de l'écart, mais. Enfin, ma façon de dire. Mais je me suis trompé encore une fois. Aïe aïe aïe. Oui, parce que ouais, ça s'enlève pas des buffs, c'est tellement galère. De ouf. Ouais, du coup, le Yop survit, le Nerypsa pourra le soigner. Il est pas du tout érodé, hein, parce qu'ils ont jamais choisi de l'éroder. Enfin, pas du tout. Très peu en tout cas. Donc, ouais. Ouais, il va se faire au con, mais. Si le Yop tombait, c'était plus le même combat. Hein. Mort Zobal contre Annie Sacri. Je sais pas. je pense, franchement, vu que le Sacri tape pas hyper fort, je pense que je vois mal la team Sacri. Ouais, bon, ils auraient pas eu assez de dégâts, mais ils auraient pu tanker très très longtemps quand même. Ouais. Du coup, le Yop qui ne va pas tomber, le Steamer qui. Ouais, Steamer Zobal, ils peuvent tenir encore un petit moment. Ouais, ils peuvent tenir, mais bon, faire de la survie va pas leur servir à grand chose. Ouais. Après, c'est clair qu'ils vont se battre jusqu'au bout parce que s'ils arrivent à faire un kill, ça leur assure quasiment. C'est extrêmement important. Ouais, s'ils font un kill, ils s'assurent au moins un match de barrage pour les qualifications. Alors que s'ils perdent 3-0 et qu'Omae gagne 3-0 ensuite, eh bien ça sera Omae qui passe. Ouais. Donc c'est chaud. Là c'est chaud et ouais, ils ont intérêt à tout donner. Et là ça s'est joué à 100 points de vie sur ce à peu près, hein, 120, 130 je crois. Ouais, c'est ça. C'est tendu. Regarde la Vitamax, attends, c'est pas du tout féro le Yop du tout, moi. Je crois pas, il me semble pas. Il a 4000 de Vitamax avec une Vita sur la tête.
Ouais, non, mais clairement, il a pris 1500 du Tamax. Et le combat d'avant, du coup, je sais pas, je pense que t'as pas su suivre, du coup, on avait une team sans érosion. Non, c'est le premier match en fait, même. Si, si. Une team... si, si, le premier match avec. Non, attends. Si, j'ai suivi les deux matchs d'un coin de l'œil, ah, mais c'est le premier match en gros où quelqu'un a fini avec 2500 de Vitamax alors qu'il n'y avait pas d'érosion du tout en face. C'était le deuxième. Non, c'est le deuxième, c'est le premier match de Omae, mais c'est le deuxième de la soirée. Ouais, ok, ouais, voilà, oui, c'est ça, oui. Donc, okay. Donc ouais, c'est, ça tape très fort ce soir, on voit des gros, très gros c'est dégâts. Pas, c'est pas fini, fini, hein. Spilio va se faire décaler ses vita à chaque fois. Ouais. Bah, c'est pas fini, ils ont intérêt à prendre rapidement le kill sur ce steamer, mais en tout cas. Ou alors arriver à RED. Ça, ça va être pas. Ouais, non, l'anti est très, l'emprise anti est très bien. Mais sinon, ça aurait pu être rentable d'RED avec le Yop et comme ça, tu démarres. Si jamais il y a un potentiel de V2, tu démarres ton 2v2 avec un bon avantage d'RED. Un avantage, ouais. Clairement. Il y a le retour de la Prev hein, qui a jamais. Enfin, qui a été lancée en début de combat, mais de. Je pense qu'elle a été lancée. Je crois qu'elle a été lancée tour 6. Donc, il ah a tour 10 normalement. Ouais. Ah, tiens, ok, d'accord. Je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Normalement, il a fait tour 2, tour 6, et du coup, il a été 10. Ok, ok. Je veux bien croire, du coup on va soigner à fond ce Yop, mais ouais, ça suffit pas de remonter. Pas trop complètement. Et là avec un debuff, il y a une Vita qui part prochain tour. Mais normalement il y a le sacré et le retour sacrifice, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis The Ball est en prise, donc ça va être le tour de repeat qu'il fallait pour la team d'Almighty. C'est ça. Sacrifice, ouais, sacrifice devrait revenir et le sacré continue de mettre ses dégâts au fur et à mesure sur le steamer hein, qui descend lentement mais sûrement. Il peut être mal à se remonter, là, il va se prendre un soin de gardienne, mais bon, pas démentiel. Ouais. Est-ce que le sacré a la transpo, non? J'ai un doute, mais oui, il a fait un peu de temps qu'il a pas lancé. Ouais. Parce que là, il pourrait transpo le Yop au cake du steamer. Ça fait que dans tous les cas, t'as pas touché par le Zobal parce que le Zobal est à l'autre bout de la main. Et puis qu'il est tuer le steamer quasiment. Et ça finirait le combat. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça serait pas étonnant du tout qu'ils le fassent. Ils sont pas forcément obligés parce qu'il peut juste pivot dessus ouais, et. Il est il est condense. Condense les nids, le steamer, ouais. Enfin, le nids, le Yop. Ou juste le steamer, hein. Le steamer. Bah, les deux. Fais gaffe à sa zone pour bien mettre les bennes en tout cas sur le. Ouais. Bien fait. Sur le steamer. Et le Yop aura les PM pour y aller. Ok, il prend quand même une concession en plus. Pour assurer c'est vraiment du c'est peut-être un tour trop tôt pour le sacrifice, je sais pas. Bon, de toute façon, ça change rien. Il y a le retour de la prêve, etc. C'est... Le combat est fini, à 100%. Là, clairement, ouais, ça semble. La CPA, il peut même. Il peut pivot des buffs. Oui. Il peut pivot des buffs, c'est bien vu. C'est bien vu, ça, la Vita va partir à ce tour du coup. Sacrifice, du coup, un tour de moins également. Mais pour moi, ça change pas tellement. De toute façon, la Vita se relance, il y a le mode rêve. Et. Oui, si, c'est tout à fait. Donc, ouais, c'est un beau tour, on va dire, c'était optimal sur ce qu'il pouvait faire, mais est-ce que ça suffit à renverser ou à. C'est vraiment en fait, danger. Ouais, ils vont tuer les nids, là. Pas le Steam. Ouais, je pense que les deux, avec les deux, ça passe, hein. Ouais, sûrement. Puis, de l'idée qu'il y a quelques events, je crois, sur le Steamer. Hein. C'est quoi, le marteau il est beau. Rien à faire de Sacrium, de toute façon ils ont raison. Bah, c'est plus optique parce qu'en fait ça lui permet d'avoir l'ébène cac et distance en tapant le Sacrieur. Donc du coup il peut pas laisser son ébène. Ouais, là, le Steamer ne rejoue pas. Hein. Il a 4 ébènes, il a 1300 de vie, il a 1000 en plus. Du coup il est obligé de fureur direct parce qu'il a un ébène 5. Les épées d'Yop, c'est beau. Lenny qui fait le kill en plus, qui assure les ébènes, il n'a même pas besoin pour finir. Okay. Et du coup, Anna qui finit en 5 sur 6 cette phase de Euro. 5 sur 6, c'est incroyable. C'est incroyable, ils ont fait juste une défaite contre Omae. Voilà. Ils ont fait 2 victoires contre Ignite, ils avaient quand même perdu 2 persos, à chaque fois c'était 2 victoires 2-0. Une victoire contre Omae également en 2-0, une défaite 3-0. Ils ont 2-0 Stanley Gates, ce qui est pas arrivé à beaucoup de personnes cette saison. Là, ben ouais. Franchement, quasiment. Bah si, en juillet. Oui, perdu, c'était Band of Zero qui les avait deux. Hein. Ouais, ça. Ouais. Ouais, non, mais à part ça. C'est vrai que. À part ça, aucune équipe a réussi à faire deux wins contre. Ah, puis franchement, c'est pas comme si Stanway Gate avait fait des erreurs dans leur match, j'ai pas l'impression en tout cas, c'est que vraiment, Almighty a proposé un très très, très haut niveau. Hein. Ouais, non, mais. Et non, là, ils sont. Ouais, ils rejoignent. Ils rejoignent les de... en poule, les favoris à la victoire finale, hein, j'ai envie de dire. Je suis fier des outsiders, là. La cotation sur Jol.
Ah là, là, voilà, tu peux. Ah non, mais bah, très beau call, hein. Très très beau call que t'as fait en tout cas. Et du coup, la grosse question maintenant, la grosse question, mais qui de Stanway Gate ou Maé se qualifiera? Le rouge et le rouge. En cas de victoire 3-0 coup, de Maé, il passe. Ça voudrait dire que Stanway ne passerait pas alors qu'ils ont gagné. Que Stanway Gate soit éliminé. Mm. Enfin, ça serait incroyable que Maé soit éliminé aussi, mais sur cette saison, ça serait encore plus incroyable que ce soit Stanway qui soit éliminé alors que c'est la meilleure équipe de la saison jusque-là. Oui, clairement. Ah, c'est fou. C'est fou. Du coup, ouais, le kill ne passera pas a priori. Ouais, hein. Le global ne va pas rejouer. Non, non, il ne rejouera pas. Bah, je suis impatient de voir le prochain match du coup. Ah ouais, le prochain match. Le prochain match, il sera tendu. Il sera tendu. J'espère que la draft est faite d'ailleurs. Je vais pas regarder. Oh, la draft commence tout juste. Je pense qu'il y a aussi regarder le match parce que, bon, clairement, il va être un peu tenté par ce résultat. Donc là, il commence seulement la draft. Bon, du coup, il y aura un peu plus de pause, malheureusement. Et puis le match avait. Enfin, ça servait à rien si jamais. Oui, aussi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de match si Omae n'avait plus de chance de se qualifier. Ils n'auraient pas joué le match.